Bonjour, aujourd'hui on va voir comment faire pour installer Pokémon Go pour ceux qui ont un appareil qui est censé être pas compatible avec cette version. Alors si vous répondez aux normes, c'est-à-dire que vous avez Android entre 4.4 et 6.0, normalement ça devrait marcher. Donc on va aller chercher sur APK Mirror, c'est les applis officielles mais qui permettent de télécharger en dehors du Play Store. On va aller chercher donc la dernière version. À la date d'aujourd'hui, c'est la 0.29.3. Voilà, donc c'est un site sur lequel vous n'avez pas de problème, c'est que des versions officielles normalement. Elle a été vérifiée, donc voilà, aucun souci. Vous voyez, elle a été uploadée le 20 juillet, donc c'est la dernière version. On clique sur Download APK, bon ça c'est facile, hein, c'est comme sur un PC ou j'allais dire un Mac, mais ceux qui ont un Mac à mon avis ils ont aussi un iPad ou un iPod, donc ils sont pas ici, un iPhone. Donc voilà, Your download is starting, avec mon bon accent français. Voilà, est-ce que vous êtes sûr? Ça peut endommager? Bah oui, on est sûr. Tant que de toute façon vous cliquez pas dessus, ça n'a aucune chance d'endommager. Vous voyez la petite flèche en haut qui me dit que c'est en train de télécharger. Alors ça va assez vite. Hein. Hop. Et ensuite, donc pour l'installer, il y a une petite modif à faire sur le téléphone, parce que de base les téléphones sont bloqués pour n'utiliser que les APK téléchargés directement sur le Play Store. Donc on va aller dans les paramètres. Voilà, donc là c'est sur mon Zenfone 2, mais ça doit ressembler à peu près partout. Voilà, donc on va chercher sécurité, vous voyez, avec le petit cadenas. Voilà, il est là. Hop, sécurité. Et puis dans gestion de l'appareil, source inconnue. Donc à la base, c'est sur non. Et vous allez mettre sur oui. Et vous allez l'installer sans aucun problème. Voilà, au revoir.